Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo review où j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter le dernier bébé, enfin un des derniers bébés qui vient de paraître dans une maison d'édition prestigieuse que vous connaissez tous. Si vous la connaissez tous, vous avez forcément un de leurs jeux dans votre tarotèque, c'est obligé. Je parle bien sûr de la maison d'édition d'Arcana Sacra, hein, qui est connue pour... On va pas tous les citer parce qu'il y en aurait énormément, que ce soit l'oracle des murmures, l'oracle d'Amam, les messagers d'Égypte, l'oracle du petit enchanteur, etc., etc. Il y en a bon nombre. Et là, cette fois-ci, je vais vous présenter un tarot. Alors, c'est vrai que je vous en présente pas toujours des tarots, et pourtant j'en ai énormément. Et celui-ci m'a été très gentiment envoyé par l'équipe d'Arcana Sacra, que je remercie sincèrement et du fond du cœur, vraiment. Et ça me fait très plaisir de le posséder puisque il faisait partie aussi de mes chouchous que vous allez découvrir. Je vous ai réservé un nouveau format pour mieux apprécier les cartes. J'espère que ça vous plaira. Et en attendant, eh bien écoutez, je vais vous faire découvrir le coffret et je pense que quelques images vaudront mieux que toutes les explications du monde. À tout de suite. Voici donc la présentation du coffret du Lightseize Tarot. Alors pour ceux qui ont déjà des jeux venant de Arcana Sacra, vous connaissez tous la qualité de ces éditions qui sont... Alors je me répète à chaque fois dans chacune de mes vidéos, je suis désolé mais c'est vrai, je le pense. Arcana Sacra est vraiment la maison d'édition que j'aime en termes de qualité parce que vraiment on a des produits qui sont très bien aboutis, qui ont une manufacture qui est vraiment incroyable. On a une qualité de cartonnage, de papier, de finition et d'impression qui sont pour moi les tops, les meilleurs du marché. Et vraiment, je ne dis pas ça parce que Arcana Sacra m'a envoyé ce jeu. Non, non, vraiment, je le pense et vous le savez pour ceux qui me suivaient. J'ai déjà présenté plein de jeux venant de cette maison d'édition et c'est pas pour rien parce que c'est vraiment mes chouchous, je trouve que ce sont les meilleurs. Donc encore une fois, Arcana Sacra ne déroge pas à la règle en nous proposant quelque chose qui est qualitatif et vous allez le voir, qui est aussi envoûtant et joli puisque là on part sur un tarot. Et un tarot qui, je dois le dire, se veut à la fois moderne, puisque vous le découvrirez dans les illustrations des arcanes, et en même temps très traditionnel, puisqu'on va retrouver bien sûr toutes les symboliques du tarot. Donc pour les puristes du tarot, vous retrouverez absolument tout pour travailler votre tarot. Donc comme d'habitude, on est sur un coffret épais, assez grand. Alors, quand je dis grand, on est sur les coffrets type l'oracle d'âme à âme, les messagers d'Égypte, etc. Si vous avez un coffret de l'une de cette gamme, voilà, on est sur cette dimension-là. Forcément, on est sur un coffret, comme vous pouvez le voir quand même, qui est assez épais, puisqu'il y a quand même 78 lames, plus un livret assez épais aussi. Hein. Ce que j'aime là aussi avec Arcana Sacra, c'est qu'on n'est pas sur des livrets, mais on est carrément sur des vrais livres, on est sur des guidebooks, et c'est vraiment très appréciable. Donc comme d'habitude, on a le petit côté comme ça qui est aimanté pour pouvoir ouvrir notre coffret. Le prix du tarot est à 32 euros, ce qui est vraiment pas cher, honnêtement, puisque comme je vous l'ai dit, on a quand même la qualité, on est quand même sur un tarot, on est sur un vrai livre, on n'est pas juste sur un petit feuillet de quelques pages, non, non, on est sur un vrai livre qui est illustré, qui est en couleur, voilà. Donc comme d'habitude, on est sur une gamme de prix qui est pour moi très abordable. Allez, on va découvrir ça maintenant tout de suite. Donc hop, on ouvre ce magnifique coffret et comme d'habitude on peut voir qu'il y a de magnifiques illustrations à l'intérieur. On a les traditionnels rubans et ça je trouve que c'est la signature de la maison puisque dans tous les coffrets, même les petits coffrets, on va trouver ce petit ruban qui permet de retirer les cartes, de retirer le livre sans abîmer le matériel. Et n'empêche, c'est un détail, mais c'est un détail qui fait toujours plaisir. Et à l'intérieur nous avons notre coffret.
Et voilà. Allez, on va découvrir ça donc tout de suite. Pour le livre, parce qu'on est sur un livre, regardez, je vous montre un petit peu l'épaisseur, hein, donc on est sur quand même un vrai livre. On est sur une qualité de papier glacé, je pense que vous allez le voir à la lumière. Comme d'habitude, avec Arcana Sacra, tout y est merveilleusement bien expliqué, bien détaillé. On est sur des pages couleurs et ça aussi, c'est très appréciable. On va retrouver, regardez, je vous montre par exemple pour la description des lames. Donc, on va retrouver l'illustration de la carte avec toutes ses symboliques et tout son, comment on pourrait dire, une sorte de fiche d'identité qui est bien détaillée sur l'ensemble de la carte. Et on va donc retrouver ça pour les arcanes majeures, les arcanes mineures. Et puis voilà. Et ça, je vous laisserai le découvrir, je ne vais pas tout vous spoiler. Et quant aux cartes, bien sûr, elles arrivent donc dans une petite boîte cloche, là aussi qui est toujours appréciable. On a à nouveau le petit ruban ici pour retirer les cartes. Je vous montre l'intérieur du boîtier qui est, comme d'habitude, illustré, qui est illustré de façon absolument merveilleuse. La qualité, comme je vous l'ai déjà dit, est topissime, hein. On est vraiment sur un boîtier épais, donc si vous voulez par exemple le prendre dans votre sac ou avec vous, honnêtement, la boîte, je pense qu'elle supportera quelques voyages sans aucun problème. Et quant aux cartes, comme d'habitude là aussi, on est sur de la très bonne qualité. Je vous montre un petit peu le dos des cartes qui est là aussi très très beau. Et l'avantage, c'est que pour ceux qui tirent le tarot à l'endroit, à l'envers, le dos vous permet complètement de pouvoir tirer les lames endroit ou envers, puisque, je vous montre, si on retourne les cartes, on ne voit strictement aucune différence avec l'endroit et l'envers. Et ça, c'est vraiment très bien là aussi. Allez, maintenant, je vous laisse découvrir toutes les arcanes les unes après les autres et je vous souhaite un très bon visionnage. Thank you.
Voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu ainsi que la vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et ça me permet de mieux référencer les vidéos, ce qui est très important quand on est youtubeur. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le site d'Arcana Sacra ainsi que de suivre leur page Facebook et leur compte Instagram. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les informations en bas, en barre d'infos, hein, juste à côté du titre. Comme d'habitude, vous avez une petite flèche ou un petit plus, vous cliquez dessus et ça vous donnera accès aux informations indispensable. Surtout que en ce moment, il y a un petit jeu que Arcana Sacra a organisé autour du Light Seas Tarot. Il va falloir retrouver des tickets d'or qui sont disséminés un peu partout dans les jeux de façon aléatoire. Donc ce sera un petit peu le hasard qui va décider. Pour ceux qui ont vu Charlie la chocolaterie, je pense que les tickets d'or, ça devrait vous parler. Et bien, Arcana Sacra a organisé le même type de jeu concours. Je ne vous en dis pas plus, ce sera à vous d'aller un petit peu fouiller pour trouver les informations et participer à ce concours. En attendant, je vous embrasse fort. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines reviews. Et croyez-moi qu'il va y en avoir encore beaucoup, je sens. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.